Du coup, paf. Ah, ça va démarrer, on me dit. Ok, donc attends, hop, 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 on finit ce, oh, ça, on finit ce tweet. Si ça va démarrer, de toute façon, j'ai. Ah oui, ils ont mal écrit l'acide hein, d'ailleurs hein, chez Drew, puisque c'était un affrontement. L'acide sur laquelle ils vont se train est l'acide Voilà. Timings, voilà, parce qu'il faut des très bons timings pour pouvoir survivre en mode extrême, qu'on se le dise. Comment dire? Voilà. Et twitch.tv/sibou, hop, ça y D'ailleurs, est, c'est je me fait. suis enlevé du coup le J'espère Discord. qu'ils ont eu le temps Et puis là, hein, on d'aller part sous de faire toute façon de pipi. pression. Hein. Oui, on On joue fait. tranquille, on étudie bien les strats, on fait tourner le wagon et puis rien. Hein, advienne que pourra. Amenez-nous des gencives Advienne de que porc. pourra. Attends, attends, attends. Le chat me... Pousse-toi. Attends, le chat. Je Ah vois oui, le le chat. chat. Non, pas trop, pas trop Le fort. C'est pas le chat qui moment, le miaule. chat. C'est pas le moment, Oui, le c'est retombe chat. sur ses pas. Ah oui, le timer. Le Le timer, timer. hein. Ah. Audio, vous pouvez démarrer tout de Si, un suite. timer. Oui, c'est fait. C'est bon. N'oubliez pas le timer. Le C'est timer est parti. lancé. Merci. C'est OK. C'est parti. Hop là, et Horaclic est venu leur donner Salut le go, Sniper. On le commence timer. comment? Alors moi, je vais faire une Salut Sniper chose, Bar. Sencha, je vais nous Oui. bouger, parce que vraiment, j'ai envie de voir la tête d'Ivy le chien sur cette finale. Voilà, Oui, je peux. Franchement, je comprends. on n'a pas besoin des pseudos de Drea et de Roudrou, on n'a pas besoin des derniers followers, mais par contre, Ivy, on en a besoin. Surtout Oui, qu'elle a des dans notre soucis cœur. de Dans leur santé cœur. Oh également en ce moment. non! Les sous-traitements, Décidément. et voilà. En vrai, assez La simple, team hein. chinoise a fait quel score au quiz? 18 sur 21! Une question de moins que Drea et Drouzrou. Donc techniquement, ils ont En vrai, je me deux tape quand même. points On va d'avance. ouvrir. Est-ce que ces 2 mètres vont faire la diff? Si, si, Un point. on peut passer par en bas. Il faut pousser cette On peut vache. faire un pont Il faut de la pousser manche cette en haut vache. ou. Il faut pousser cette vache. Il y a un C'est passage. clair, Ah merde. cette petite vache ouille. Mon timer, il est caché. Mon timer est caché par Non, non. l'arbre. Non, non, ça Non. marche. Oh putain, j'arrive Non, pas à c'est lire. bon. Ça marche, ça On marche. passe Tout va bien. devant, on voit. Attends, je Ah vais lui envoyer un merde. message. Tout va bien. Sur ma. Ah, c'est peut-être qu'elle ne le voit pas. Sur son Ah. vrai écran à elle. Voilà. Mais il y a un passage par le Ah. bas, par contre. Ok. Hein. Il y a un passage par le Ok. bas. Chaque joueur doit battre un arbre. Ok. Ok. Du coup, tu prends Donc là, combien ils pour la font le prochaine? challenge Je prends pour avoir une combien vie pour la prochaine? Sachant que si ils crashent, ils ont droit de Ok. recommencer. Mais le timer, lui, n'a pas le droit d'être reset. D'accord. Hein, voilà. C'est ça, parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on aille dormir. On a déjà 30 minutes de retard. Ah, Comment ça, c'est pas c'est ça? le timer qui cache le défi. C'est ce C'est que ça. nous écrit et explique Cryptage. C'est Ah. que sur son écran à elle, le timer était là-haut et donc C'est elle ne vrai? pouvait pas lire le C'est défi. son. C'est elle en Donc. fait. Elle peut pas voir les. Elle peut pas lire les objets à côté Ok, d'elle. C'est son donc timer. c'est fait, là-bas ça déroule du rail pendant que ça construit un pont pour la vie. C'est ce que Drea va se rendre compte qu'on peut passer quand même là à l'endroit des vaches, je ne sais Ouais, pas. peut-être, hein, peut-être, on espère. Ouais. Sur l'autre team, est-ce qu'ils l'ont vu? Non plus. Elles ne l'ont pas vu encore, mais on peut passer, Non hein, plus. c'est testé et J'ai moi, j'ai approuvé. les deux. J'ai Voilà. les deux streams, comme ça je pourrais faire l'info si Donc, jamais dans le il y a doute, besoin. il faut continuer de produire encore des rails si on peut. Voilà, pour avancer au maximum. Voilà, reprendre cette pierre, fabriquer des rails. Beaucoup de chat. Et par contre, voilà, rester devant. Par contre, il a laissé le seau Est-ce derrière. que je resterai pas coincé Ouais, derrière, je charge et je ouais. viens avec des rails quand il est Ah, prêt? c'est possible de rester coincé derrière. Hein. Oh, c'est le moment de tester le truc réapparaître, hein, clairement. Oui. Hein, voilà. Je me sens Mais qu'il faut faire un petit coup de saut avant, ouais. clairement, Drou, en plus, a assez de bois pour faire un pont, Tu veux faire mais il quoi? n'a pas vu qu'il y avait un passage au niveau des vaches. Avec des rails là? Ouais, ou sinon je continue à charger pendant que tu ouvres. Voilà, il Je prend le mets du parti bois. de construire. Ça tourne un peu. Voilà. Sinon là je viens et je pose des rails. Hop, on va juste aller voir un instant. Oh, regardez, hop, il Tu repop vois, c'est ouvert. avec la réapparaître. Et il Avec des repop rails sur avec ses lui. rails dans la main. C'était Donc. une bonne chose, Ah, hein. donc. J'ai appris. Peut-être que, par exemple, sur l'autre team, la team 17, peut-être qu'ils ont vu le deuxième chemin, mais qu'ils se disent, on utilise ce truc-là, comme ça on ne prend On pas le gagne temps de du faire un temps. deuxième chemin. Exactement. Alors attendez, parce que je n'ai pas préparé la Sim 17. Elle est juste là. Hop là, comme C'est eux, ils ça. sont déjà à la première gare là. Ils ont déjà atteint Ils la viennent d'y première arriver. gare Ouais. et leur chrono En est moins à de temps. 2
57 d'un disque de Ray et Drudru sont déjà à 3 minutes 52. Voilà. Il y a une minute d'écart à peu près entre les deux teams. Ça ne veut rien dire pour le moment, mais... Oui, parce que après un crash, encore une fois, en extrême, c'est vite ça. Arrivé. Clairement. Toutou commence à aller mieux, nous dit Cryptage. On entend mieux. Voilà. Les deux teams passent par en haut, c'est bon. Yes. Le fantôme est là. Et ils prennent direct le fantôme. À quelle place ils vont le mettre? Hop. Ils mettent le fantôme d'abord, les rails ensuite. C'est pas mal. Et ils ont choisi d'up également leur imprimante parce qu'ils ont eu leurs trois vis avec la vis du défi. C'est ça, le challenge plus la vis dispo plus la garde, voilà. Trois vis. La vis cachée qui ici était facile à récupérer. Voilà, donc là, il y a un de passage ici. Vous le voyez juste ici. Et il y a un passage par en bas. Donc, clairement, si on ne veut pas rester quoi, déjà, il faut mettre des rails. Voilà. Oh non. Ouf. Heureusement qu'on est en début et que c'est seulement la première gare. Mais c'était chaud. Après, voilà, il faut pas hésiter à leur dire si toutefois crash il y a, que ce soit pour une équipe ou l'autre, qu'ils ont le droit de relancer sans relancer le timer. Donc là, il faut du bois pour faire un pont. Ils font du bois pour faire un pont. Voilà. On pose la question de où est la vis également pour une simple et bonne raison. C'est que souvent... On n'en a pas parlé, mais sur les maps d'Unrailed, la vis est à l'opposé de là où il y a la clé. La gare, pardon. Donc si la vis est en haut, la gare a 99% de chance d'être en bas. Et l'inverse est valable également. Dadé, merci beaucoup pour ton follow. Et n'hésitez pas, comme le dit Warcraig, à participer au giveaway. Vous tapez point d'exclamation finale, F-I-N-A-L-E, pour tenter de remporter deux clés pour ce jeu Unreal que vous avez peut-être découvert ce soir. Aucun souci, Dadé. Donc là, ils ont choisi de ne pas ouvrir le deuxième chemin parce qu'ils ont aussi leur fantôme hein, qui peut carrier. Clairement, ça pose des rails pour aller plus vite. Ça ira chercher le saut plus tard. Alors, c'est pas mal. Désolée, je vais te couper dans l'explication et tout ça. Oui. Mais ils ont tiré au sort sur notre cast anglais. Faire un peu de pierre. Et j'ai gagné les clés. C'est vrai? Oui. Oh non! Vraiment! Et il s'est passé ça! C'est une vanne intersidérale! Tous les ans, cette chape participe au giveaway! Et seul les modos et seul chat remportent les clés! Ah, putain. Imaginez qu'elle le remporte aussi là, ou que ce soit Warcraig, hein, ce serait vraiment incroyable! Ce running gag des Umbrella Knights, non mais c'est insupportable! Par pitié que je perde sur ton stream à toi, sinon c'est fini! Le saut est derrière, alors là il y a un souci, hein. Le saut est derrière, il faut passer! Ça brûle! Il faut passer et faire un pont! Prends du bois, t'as du bois au-dessus, Drudru et le fantôme! Du bois au-dessus et le fantôme! Drudru, il aurait pu passer, il n'a pas pensé à faire ça pour se faire un pont! Ah non, il peut pas passer! Il peut pas passer parce que le fantôme brûle, et non! Ah. Le fantôme brûle! Et oui! Mais il brûlait déjà? Oui! Au début, je suis pas sûre. C'est horrible, c'est encore pire. Ouais. Donc, il a pas tenté le respawn. Voilà. Là, Drea, donc, en profite pour aller chercher la vis. Rien n'est perdu, hein, évidemment, ils vont... c'est pas impossible. Il a récupéré le saut et le train est au-dessus de l'eau, donc ça va être très facile pour l'éteindre très rapidement. Donc ça y est, c'est bon. Et la production des rails peut reprendre. Hop, voilà, c'est bon, c'est fait. On prend sa pile de bois, on construit des rails, on y va. Tout est une question de timing, hein, je l'ai dit au début, ne laissez pas le saut derrière, le train allait mettre beaucoup trop de temps parce que le fantôme n'est que niveau 1. Sachez pour ceux qui ne connaissent pas le play du fantôme, donc là il y a à nouveau un passage de 1 hein, au cas où vous ne l'avez pas vu, juste ici. Donc il faut être très très prudent et laisser les outils devant, c'est ce qui peut parfois sauver une game, les outils, le saut, toujours tout laisser devant. Il va falloir
augmenter cette fucking... Surtout voilà. En map extrême. Hein. Ouais, surtout en map extrême. Là, là, on ne fait pas deux fois l'erreur avec le saut. On ramène le saut devant. Voilà, Drou-Drou qui ramène le saut devant. C'est parfait. Voilà, à côté de l'eau, c'est logique. Ils reviennent de loin. Effectivement, ils ont perdu pas mal de temps. Hein. Je ne sais pas où... voilà. Voilà. Où en sont les autres? Où en sont les autres? On va checker ils ça. Ils ont 10 mètres d'avance à peu près, un tout petit peu suite. Plus de 10 mètres d'avance. Ils sont sur la même gare, voilà, et c'est la nuit aussi également pour eux. Non, ils sont sur la gare d'après, ils viennent de valider la gare, hein, vous voyez ici. Oui, c'est ça. Là. Oui. Et donc du coup, Ladria et Drou-Drou vont valider cette gare-là. Ils n'ont pas encore accès, ça y est, grâce au wagon fantôme qui carry quand même. Ont-ils fait le choix? Ils ont fait le choix du superchargeur. C'est ça. À la première gare, et non pas du wagon fantôme. Ils croient énormément leur skill. Ils sont allés chercher la vis, hein, comme Drea et Drou-Drou, juste au-dessus. Vous le voyez. Mais. Mais voilà, c'est ça là, avance. Ils produisent tellement, effectivement, qu'ils peuvent. N'ouvrir que sur un, il n'y a pas de panique pour eux, le train il a le temps d'avancer, ouais. Eux de passer, c'est pour l'instant qu'ils sont assez safe pour l'instant. Et Drou-Drou qui ont un peu de retard là, ça y est, ça pose le dernier rail, on fait des piles pour pouvoir remplir le wagon dès qu'il est là et produire des rails un peu d'avance. Parce que contrairement aux maps qui sont en mode difficile ou moyen, ou sur un speedrun, il n'est pas nécessaire de produire des rails d'avance. Là, autant dire qu'en début de map, c'est bien quand même, tant qu'on n'a pas la dynamite, d'essayer d'avoir d'avoir des rails d'avance. Être tranquille le temps d'aller farmer des ressources. C'est vrai que la dynamite sauvera... sauvera ça, mais pour l'instant elle est pas disponible, enfin en tout cas ils l'ont ouais. pas. À quelle gare est-ce qu'elle va apparaître? On ne sait pas parce que ça dépend du choix des wagons que vous faites, ça dépend de pas mal de choses. Donc voilà, il y a un passage par en bas, il y a un passage au niveau des bandits, quel est le passage qu'ils vont choisir? Voilà. Il y a un passage tout droit ou un passage en haut, on ne veut pas monter pour ouvrir à des bandits. Autant aller tout droit, non? Mais les bandits en haut, ils vont pas trop t'embêter, hein, clairement, parce que voilà, il faut qu'ils aillent au bord de la map pour te voler tes ressources. Ces bandits-là sont gentillets dans la mesure où sur l'eau, mais j'ai le temps. Hein. Où ils ne t'enlèvent pas des rails. Me disait, il vaut mieux arroser à 20. Alors j'ai une info. A priori, le timer de la team 17. Oui. Est en retard, donc ce qui m'étonne pas tant parce que j'avais les deux streams lancés en même temps. Et ils n'ont pas lancé le timer une tout minute de suite. Après. Je me suis dit quand même, ça fait beaucoup d'écart. Bon choix. Ok, bon choix parce que la gare est en bas, c'est ce que Drea vient de dire. Parce que la vis spéciale est en haut. Il faut que tu viennes m'ouvrir là, je vais te coincer. Ouais, il faut aller ouvrir l'arbre. Il y a deux arbres au-dessus là. Enfin, voilà. Un quoi. Voilà, qui, c'est bon. La vis spéciale qui a été récupérée par l'autre team. Ils d'accord. viennent d'atteindre la gare. À l'instant. Et ils ont pris la vis spéciale. Ils ont pris la vis spéciale. Incroyable. Ils ne font aucune amélioration sur leur locomotive. Ils ont leur imprimante niveau 2. Ils ont le chargeur et ils ont le wagon qui ça contient les rails qui a l'air d'être au niveau 2. Hein. Oui, il a l'air de oui, contenir oui, oui. 3. Enfin, 5 ressources au lieu de 3. Hein. Là, ils partent farmer tous les deux. Ils ont déjà des rails d'avance. Voilà, là, Drou-Drou va rester coincé. Maintenant, la seule solution qu'il a, c'est de se mettre à l'intérieur du fantôme. Avec son saut, c'est plutôt une bonne idée hein, de ne pas oublier le saut. On ne oui. fait pas deux fois la même erreur. J'aime beaucoup ce tut-tut. Moi, je pense qu'il aurait fallu éteindre le train. Il va plus vite. Je crois qu'il aurait fallu éteindre le train, Drou-Drou, parce que là, le temps de retourner chercher ton... Il va faire deux fois la même erreur, hein. C'est la fatigue et ouais. peut-être le mal de doigt. Oui, parce qu'on rappelle, il a un handicap là, hein, donc c'est pas évident pour lui. Du tout, c'est pas du tout évident, parce que quand t'as des habitudes de jeu et que t'es obligé de t'adapter à, on va dire, deux heures de la compétition, c'est très très dur. Il tente le respawn, et le respawn qui fonctionne avec le saut dans les mains et qui le fait pop devant. Voilà, donc c'est une là, technique c'est bon. Qui fonctionne, effectivement. Hein. On va prendre la vis, c'est bien vu. Bien vu, la bête. Attends, ça, c'est pour ton... Alors que Drou-Drou bien est un wagon. Elle va chercher la vis, elle a... Ouais. Bon, c'est pile à côté. De quoi après, faire de ce que je vois sur la team 17,
Il ne s'embête jamais à ouvrir un deuxième chemin. En tout cas, pas pour l'instant. Le train va suffisamment lentement pour poser un maximum de rails pour pas que ça leur pose de problème. On va aller. C'est impressionnant. Puis même quand ils peuvent avoir un deuxième chemin, c'est-à-dire ouvrir une deuxième fois, enfin une deuxième rangée de ressources, ouais. Ils ne le font pas. C'est vrai. Incroyable. ils vont direction tout droit et puis ils ouvrent quand ils ont fini de poser leur rail. On va également aller voir le gameplay de l'autre team. Hein. J'attends évidemment. Juste de voir ce qui va pas pour Drea et Drudru qui n'ont pas fait les mêmes choix et qui vont évidemment aller valider leur gare. Parce que... Là, ils ont les deux rails, ils peuvent avancer. Voilà. Ils peuvent le faire. Ouais, ils le font. Voilà, histoire de se faire un peu de rail. Ah bah non, ils ont mis du bois dedans. Et c'est parti. Voilà. Hop. Il n'avait pas vu qu'il avait posé des rails sur le côté. C'est pas Jiraya. Alors, qui prend la chaudière niveau 2. Alors, le fantôme niveau 2, je pense que ça va se porter là. La chaudière. Ah, ils ont de quoi acheter les deux. Ils prennent pas le fantôme. Ouais, non, ça, ouais, ils prennent pas le fantôme niveau 2. Ah, je suis surprise de ce choix. Est-ce qu'ils l'ont vu? Ils l'ont vu, hein, je pense. Hein, mais ils ont fait le choix de... De ne pas le prendre. Tout droit par bas, d'upgrade par plutôt bas, la production. Exactement. Finalement. Et puis, comme le saut a l'air de leur poser problème avec le 1 de passage, effectivement, c'est pas une mauvaise idée de prendre la chaudière en vrai. Oui. Que ça te fait gagner 30 secondes. Hein, C'est ça. Ouais. Ça, plus le respawn. Hein, ça leur évitera bien des problèmes, je pense. Au lieu de brûler toutes les minutes, la chaudière va brûler toutes les... minutes 30. voilà, toutes les 30 secondes, toutes les minutes, là, du coup. Voilà. Ouais, donc, ils vont gagner un peu de temps, hein. c'est pas plus mal. Exactement. Du coup, on en est où, là? On prend l'imprimante 3D sur cette c'est team. Ça. On prend le super chargeur, qui donc va être efficace sur l'intégralité... des wagons, la production des rails, le chargement et puis également la chaudière qui n'est pas du tout upgrade sur la team 17. Je sais pas si je mets le son sur la team 17. Là, il parle en mandarin. Profitons un peu de cette langue. Enfin, est-ce qu'on va apprendre des choses? Je ne sais pas. Puis on profite de la musique. Surtout, est-ce qu'ils communiquent? J'ai l'impression que ce sont vraiment des robots, en fait. Ils ne communiquent même pas, quoi. Je pense que... Ah, ils sont impressionnants, hein, en termes, effectivement, de skills. C'est impressionnant. Là, ils ont ouvert à l'eau, hein. Ah non, ça, c'est Drea et Drugu. Ils ont ouvert à l'eau derrière. Je suis sur les deux lions en même temps. Mon cerveau, il a explosé. Ils ont ouvert à l'eau derrière... Alors là, sur la team 17, vous voyez qu'ils vont aller récupérer, je pense, la vis de la map d'avant. Peut-être par... Ou alors ils vont la laisser tranquille et ne pas la faire et juste faire la vis d'en bas. Ou pas, hein, on ne sait pas. Pas. Ils ont encore le temps, hein, pour aller la récupérer, là. Ils vont ensuite au plus court. Sachez que là, vous voyez, il y a un passage de 1 ici et un passage de 1 juste là. Donc c'est là que va se situer la difficulté. Je pense qu'eux vont choisir le tout droit en faisant passer le train ici et ici s'ils ont assez de rails d'avance. Mais la production, c'est clairement pas quelque chose qui leur pose problème. Voilà, j'espère que la SMGL qui s'occupe cette année de donner le cash prize à nos participants est prêt à faire un virement intercontinental. C'est impressionnant. Tu vois, il fait opération tout droit et puis bon, bah parfois il pense à faire un deuxième chemin, mais. Ça produit à mort, le superchargeur, vous voyez quand il pose des ressources. C'est le nombre de rails, quoi. Ça augmente la capacité du wagon et ça augmente la vitesse. C'est-à-dire que ça n'augmente pas simplement la vitesse de production, ça augmente les deux. C'est ça. Donc du coup, t'as 1 milliard de rails et donc tu peux dérouler du chemin pour se faire. Bah du coup, il faut faire les ressources. Mais comme vous voyez, là, contrairement à la team Drea Drudru... C'est instantané, quasiment. Ouais, la production de rails est instantanée. Quand le superchargeur est chargé, il y a toujours de la pierre disponible sur les maps extrêmes et d'ailleurs du bois aussi, hein, parce qu'il y a énormément de ressources à casser, comme vous pouvez le constater. Ce
qui fait que tu n'es pas embêté à te dire « Oh mince, ma pierre, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je la mets sur le wagon qui produit des rails parce que j'en ai besoin pour faire des rails ou est-ce que je le mets... voilà, c'est posé à mi-chemin, hein, c'est rail, pote, et la gare est déjà là, hop, ça va finir sans aucun problème. C'est... Est-ce que vous vous rendez compte du niveau? Hein, c'est-à-dire que c'est... Dréa et Rodro étaient forts, mais là... C'est clair. C'est-à-dire qu'on était là à dire, ouais, notre team FR et tout, on soutient à fond. Et c'est vrai qu'on se dit, il y a quand même une différence de niveau conséquente, alors qu'ils sont déjà très forts. Mm. C'est hallucinant. Ils sont insane, hein, c'est... voilà. Et pour ceux qui douteraient du widescreen ou non, hein, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, j'ai commencé à en parler tout à l'heure, mais on a eu un souci la semaine dernière parce que justement la team de Sim 17 s'entraînait en live pour tester et ils étaient en widescreen, c'est-à-dire que leur live prenait, enfin le jeu prenait l'intégralité de l'écran, mais genre c'est pas du 16/9, c'est du je ne sais quoi, mais tu vois, t'avais deux grosses bandes noires. Les grands écrans, vous savez, souvent incurvés. Voilà, c'est, ils utilisent ce genre d'écran et donc forcément la taille du jeu et c'est un paysage gigantesque. Et c'est un avantage conséquent puisque dans un cas comme ça, bon sauf quand il fait nuit hein, évidemment, quand tu as un widescreen, tu vois déjà où est la gare. Et donc ils ont pris le fantôme niveau 2. Hein, ils ont pris le fantôme niveau 2 niveau côté Dréa et Rodro. On retournera après. Là, ça ouvre les deux chemins parce qu'ils ne savent pas, justement, ils ne savent pas où est le bon chemin. C'est compliqué. Voilà, ils ont du bois d'avance pour faire un pont. Où est la vis? C'est l'indication qui... la vis est en bas. La vis est en bas, donc ça veut dire que la gare est en haut. Je ne sais pas s'ils ont cette info. Je pense que oui, avec 900 heures de jeu tout de même. Voilà, mais ils ont... Peut-être pas. Ils ont quand même... Oh, la pluie. Hop, il repose son seau parce qu'il a vu la pluie. Bon, la pluie n'est pas... Tu vois, il aurait fallu faire demi-tour pour passer en haut. Donc, possiblement, ils se sont dit, on va tout droit et puis on avise. Et tant pis si ça nous fait perdre un peu de... Ah, c'est vrai qu'il aurait fallu faire demi-tour. Parce que la pierre noire est tout de suite, quoi. Est-ce que... Combien possède de vis, Dréa et Drouzrou, si tu vois cette information? Cette information, ils en ont une. Donc, tout ça pour vous dire que le widescreen a été rajouté dans les règles du tournoi et que c'était interdit en raison de l'équité, qu'on ne peut pas vérifier si, évidemment, la personne qui ne stream pas n'a pas un widescreen. Sauf que il s'avère que ces deux teams, les deux participants, streament tous les deux. En tout cas, hier, ils ont streamé. Et à quoi on peut voir qu'il n'y a pas de widescreen? Vous avez en haut le nom de la map qui fait un bord de l'écran. Et de l'autre côté... Les pseudos des joueurs dans une fenêtre, c'est ce qu'on a demandé à toutes les équipes. Et en fait, ça délimite la map. C'est-à-dire que s'il avait un widescreen, ce serait encore plus à droite et ce serait coupé et on s'en rendrait compte, on le verrait pas. Voilà, donc voilà ce qu'il en est. La pluie abusée. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bah c'est la RNG, hein. C'est aussi ça le... Ça fait partie c'est aussi du ça, jeu. Le jeu. Exactement. Si vous venez d'arriver, que vous voulez participer au giveaway ou que vous étiez parti faire une petite pause pipi, Ah, mais ils sont partis vers le bas. Ils sont... Mais tu vois, la vis était en bas et la gare est en bas, malgré tout. Ah ben voilà, c'est le 99% dont je vous parlais. Est-ce que Maplif est en live aussi ce soir ou pas du tout? Maplif? Le deuxième, tu veux dire? Ouais. Oui. Il est en live aussi. Son timer est bon. Le timer est bon et le widescreen n'est pas là. Hein. On est d'accord hein, que c'est pareil. Hein. Vous voyez Je vais confirmer ça. Je te dis ça tout de suite. Vous voyez les pseudos et vous voyez l'acide. Hein. Et les réglos. Non, ils sont juste très forts. Hein. J'essaye de trouver des trucs pour Dréa et Drodro en mode... C'est fou, là. Oh, 1% de chance, c'est long. C'est la chance. C'est de la chance. Voilà, le 1% de chance qui fait que la vis est de même côté que la gare, et bien voilà. Où en sont Dréa et Drouzrou? Est-ce que justement cette information va les mettre peut-être dedans? Voilà. Ils le sont. Ouais, je sais pas s'ils ont. À quelle gare s'ils sont-ils? Je ne reconnais même pas. Ah si, c'est la gare d'avant. C'est la gare d'avant, ça, totalement. Ça brûle. Ça brûle, ça demande un respawn. Mais... Ah oui. Ah mais Dréa qui... Ah il pleut.
C'est pas mal. Il pleut chez eux aussi. Drea qui respawn, mais toujours dans son petit endroit coincé. Ça tente le respawn ailleurs, mais voilà. Allez, allez, vous pouvez tenter un autre respawn. On sait jamais, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Perdu pour perdu, là, si vous perdez du temps. Pof. Allez, hop. Ça tente le respawn. Et non, ça tombe au même endroit. Il va pas y avoir non plus une RNG. Enfin. Comment dire? Voilà, Drou-Drou qui a ses rails. Voilà. Bienvenue Saris. Pour ceux qui veulent participer pour le giveaway, point d'exclamation final. Finale. On fera le tirage au sort à la fin. Ça Ne me respawn laissez sur pas les gagner, outils. s'il vous plaît. Faut prendre la pioche pour respawn sur l'autre. C'est une supposition. Alors, je n'en ai aucune idée. Effectivement, tout à l'heure, Drea a respawn sur la map. Sur la hache, pardon. Mais je ne sais pas. C'est des choses que malheureusement ils n'ont pas eu le temps de tenter parce que c'est un move qu'on a découvert hier. Moi je trouve que cette fonctionnalité est un peu dommage parce que Parce que ça... ça enlève une grosse partie de la difficulté de l'extrême. Exactement. Parce que même si là, sur bon, appelons-les les aliens hein, de Unreal Light, les aliens de Unreal Light, clairement, pour l'instant, ils n'ont pas l'utilité de ça. Mais à terme, quand le train ira plus vite, etc., ils auront certainement l'utilité de cette technique. Et C'est c'est vrai ça. que c'est dommage, parce que ça retire complètement le challenge Ouais. de la difficulté extrême qui est d'avoir deux chemins de 1, Clairement. au Et lieu de pouvoir passer à côté de ton train. on ne l'a pas mis dans les règles et on n'allait pas l'implémenter hier, mais ne rêvez pas, je pense que ça fera partie des choses Oui. qu'on va mettre dans les règles et le respawn sera totalement interdit l'année prochaine parce que Voilà. ça gâche un petit peu, tu vois, Alors, respawn et mort volontaire également, j'imagine, parce que ça compte. Après, mort volontaire, Bah, il c'est... faut avoir de quoi mourir aussi, Mais hein. c'est surtout que si tu meurs volontairement, tu respawns là où t'es mort. Ah ouais, quoi Eh qu'il oui. arrive, hein. Ah oui, quoi qu'il arrive, tu respawns là où t'es mort. Que là, il y a une petite RNG qui fait que peut-être tu respawns sur les outils. Voilà. Oh bah non, je venais d'apprendre qu'on pouvait le faire. Laissez-moi faire ça pour l'année prochaine. Dit Clan Max. Merci beaucoup, PY, pour ton Non mais raid. peut-être Bienvenue à ce vous. qui pourrait être intéressant à terme, c'est que là, il y a quand même une différence de niveau qui est conséquente entre cette équipe-là et le reste des équipes. Oui. Parce qu'on rappelle, là, la team DD, ils sont très forts. Ils se sont beaucoup entraînés tous les deux. Et malgré ça, ils sont déjà très en retard. Donc du Exactement. coup, à moins d'un crash, là, c'est presque plié déjà. On est à quasiment la moitié du temps. Ça, voilà, ça va être très très dur. Donc on va prier pour un crash si vous êtes pour la team DD. Et sinon, bah, vous allez dire, bon, bah, autant que les aliens continuent à être des aliens. Mais peut-être qu'il sera envisagé de mettre des malus, entre guillemets, pour les gens très forts. Parce que sinon, ça sera effectivement nos matchs à chaque fois. Et Faudra cogiter à ça. ouais, il faudra cogiter et juste pour rappel, ils ont fait un score de 661 sur la seed des qualifs. Ils s'étaient classés cinquième seulement. Hein, Drea et Droudou avec les bonus étaient à 728. Et ça prend la dynamite 3 qui va être super chargée, qui va être jaune. Ça va dérouler du rail. En veux-tu, en voilà. Là, ils ont une construction de 1000 rails quasi instantanés. C'est hallucinant. Ça, plus voilà, la dynamite jaune, on en profite. Ça régale. La Voilà. team Tatas qui a été heureuse de participer avec une nouvelle fois au tournoi, nous reviendrons plus fort et avec Ariel Dombal hein, pour cacher l'acide. Magnifique. Parfait. Cher au cœur de cette Ah joie, là là, clairement. je l'aime. À chaque fois que je vais sur ce live et que je vois Ariel Dombal, je suis heureuse. Ma vie devient meilleure instantanément. Clairement. Attends, je viens de lire Et c'est un. vrai que, quelles que soient les teams, hein, je m'attendais à ce que la team DD ouvre les deux chemins pour justement pas avoir ce problème, Ouais. etc. Mais même eux font le choix de ne pas ouvrir le deuxième chemin, alors qu'ils n'ont pas pour habitude d'utiliser la technique du respawn, hein, puisqu'ils la connaissaient pas. Ah là 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 là, c'est chaud par la base. Mais voilà. Ils n'ouvrent qu'un seul chemin, mettent suffisamment de rails devant pour que ça soit
pour que ça soit pas problématique, et ouais. Puis ils attendent pas. Mais du coup, l'oreille se produise, comme vous pouvez le voir, beaucoup moins vite que l'autre team. Je sais pas s'ils récupèrent les vis. Je suis navrée, on a le son des Asiatiques avec l'image de la team BD. La plupart du temps, ils récupèrent effectivement les vis bonus, hein, quand même. Ok, ok, ils ont... La plupart du temps. Okay. Pas toujours, hein, parce que si c'est vraiment trop loin ou quoi que ce soit, ils vont pas le faire. Allez, allez, on l'a déjà vu, mais c'est vrai que la plupart du temps, ils vont les prendre. Hein. Si, si, allez, Rose. Ils n'ont plus le seau. Ils n'ont plus le seau. Bon, en fait, il a creusé le deuxième chemin. Ils n'ont plus le seau. Ils n'ont plus le seau. C'est drive pour aller au moins jusqu'à la fin. Ah. Ils n'ont plus le seau. Voilà. Allez, il faut produire des rails là. Tu vois. Non, il faut les deux, hein. Il faut clairement les deux. Voilà, donc. Ça produit, il faut les poser aussi, hein. Ouais. Après, mieux que je mette quelques rails. Ah là là. Je vois pas la guerre là. Ouais, ils ont été le. Bah ouais, mais bon. Ah, est-ce que la pluie va les sauver? Tu crois que ça serait bien qu'il pleuve pour eux. Si on a assez de rails pour skip. On plie pour la Bretagne. Ils vont skip. Ils vont devoir skip la gare. Parce que la gare est en bas, effectivement, ils sont partis par en haut parce que la vis était en bas. C'est ça qui les a fait. Ah, c'est les derniers. C'est ça qui les a fait avoir. Est-ce qu'il va pleuvoir? Deux rails près. Un rail près. Ouais, t'aurais dû revenir plus vite m'aider plutôt que d'ouvrir. Pour faire le plus de rails possible avant qu'elle brûle. Mais faites de la pierre, on sait jamais s'il se met à pleuvoir avant le train. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas perdu. Alors, c'est une petite pour une demi-heure? Ouais, parce que là, on est à la moitié du timing. On va rien faire. Sauf s'ils préfèrent qu'on arrête de jouer et que les aux autres. Après, bon, imaginons qu'ils crachent avant la fin et que. Ça compte zéro, là, ça va être effectivement. Je pense que. S'ils crachent pas, bon. Allez, est-ce qu'ils vont s'en relancer une petite? S'ils crachent. Voilà. Est-ce qu'ils vont tenter? Il leur reste 30 minutes. 198, aïe aïe aïe. Ah là là. Ah, c'est dur, hein. La triste... C'est dur de perdre son saut. La tristesse du saut oublié, clairement. Est-ce qu'ils font essayer à nouveau? Allez, le beau jeu pour Drea et Droudrou. La danse de la pluie, ouais. La danse de la pluie qui n'a pas fonctionné. Priez pour la pluie, et non. Trop triste, effectivement. C'est bon, c'est dur, quoi. C'est le crash qui fait mal, surtout à un rail près, parce qu'ils étaient à ça de skip la gare. Ouais. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas suffisamment le jeu, je dis ça comme si moi je le connaissais alors que je t'ai posé la question hier. Mais c'est ok. Ah oui. Vous pouvez skipper les gares, c'est-à-dire que si vous posez un rail sur le dernier carré à droite, dernier carré visible, disponible, la gare va disparaître. Voilà. Mais vos outils vont respawn, c'est ça l'objectif. Hein. C'est ça, c'est-à-dire que les outils respawn, le train se reset s'il est en feu. Enfin, en tout cas, même s'il est en feu, je ne sais pas s'il s'éteint, mais en tout cas, le saut réapparaît. Le saut revient. Le saut réapparaît, revient. Donc... Par contre, vous perdez une gare, donc ça veut dire l'impossibilité d'acheter un nouveau wagon, même si vous avez des vis. Ça veut aussi dire que vous perdez un challenge disponible, donc une vis disponible. C'est ça. Puisque, en fait, là, par exemple, ils sont à chaque joueur doit abattre un arbre. C'est ça, leur challenge. Si ils skippent la gare, leur challenge, ça sera toujours chaque joueur doit abattre un arbre. Ça sera le challenge du premier. Exactement. Le train s'éteint, nous dit Grishkanov, ouais. Quand tu skippes une gare. C'est ce que j'allais dire, effectivement, Grishkanov, qui connaît le jeu sur le bout des doigts. Le train s'éteint. Voilà. Bon, on va continuer d'aller voir le jeu des aliens. Voilà. Ouais. Parce que ça va être beau à regarder. Excusez-moi, il faut que je change le son. Voilà. Hop là. Non mais si vous, tu n'as pas mis. Voilà, ça fait mal aux yeux. Merci. Isoké. Okay. Nous revoici en grand sur la team des aliens. Point d'exclamation final, FINALE. Si vous voulez participer, si vous avez déjà le jeu, vous avez le droit de participer aussi. Vous n'aurez pas le droit de revendre la clé, évidemment, mais de l'offrir à qui bon vous semble.
Faites-vous plaisir. Point d'exclamation à FINAL. S'il vous plaît. Ça me fera moins de chances de gagner un jeu que j'ai déjà. Ah. Puisque c'est mon destin. Allez-y, n'hésitez pas. Hein. C'est pour vous le chat. Hein. Nous, on l'a déjà. On connaît le jeu par cœur. Et Gibrilax qui n'a toujours pas compris qu'il faut écrire le point d'exclamation et le final collé. Sinon, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, si vous participez, vous n'avez besoin de ne mettre le code qu'une seule fois. Hein, évidemment, pas de spam, ça ne sert à rien. Et aussi, vous avez normalement un message de confirmation de Wisebot qui vous confirme votre participation, effectivement. Et les gens... Regardez le nombre de rails qu'ils ont d'avance. Leur TNT revient dans 10 secondes. Ils ont déjà creusé pour pouvoir poser la TNT. C'est impressionnant d'efficacité. Évidemment, voilà. On a parlé parce que Drourou hein, reste mon conjoint et donc du coup il m'a dit ah on pense faire ça avec Drea et moi je lui disais ah ouais c'est cool mais parce que je trouvais que c'était une bonne idée le train fantôme. Moi j'avais pas d'avis parce que clairement à part avoir testé les premières maps j'ai zéro avis hein, sur les sites extrêmes, je n'ai pas assez pratiqué pour quand on a testé la site toutes les deux, on s'est quand même dit c'est vrai qu'en extrême le fantôme c'est pratique. Clairement. Et mais ça, c'était sans compter le niveau d'alien, quoi. Hein, je veux dire. C'était sans compter sur en fait la base du jeu, hein, c'est-à-dire tout se joue sur la production des rails. Regardez ça, c'est impressionnant. Hein. Même si la map est difficile, si tu produis des rails en continu et qu'en plus c'est super chargé là, et donc du coup ça produit deux fois plus vite. C'est cool de voir ça aussi, c'est-à-dire qu'effectivement c'est difficile parce que la différence de niveau entre cette équipe et les autres est conséquente. Mais en même temps c'est hyper intéressant de se dire tout le monde peut en arriver à ce stade-là et à ce niveau-là de jeu. C'est ça. Parce que c'est aussi ça la force d'Unrail, c'est que c'est un jeu, si tu pratiques, tu deviens forcément meilleur. Mais ouais. En pratiquant en jouant. Et donc vous pouvez atteindre ce niveau-là aussi en jouant. Et c'est ça qui est fou. C'est ça qui est trop bien. C'est trop chouette. J'ai l'impression de les voir jouer sur une map facile. C'est déconcertant. Mais oui, t'es là, tu fais bon bah tranquille. Limite ils ont un café en même temps, c'est pépouze, la main dans le slip. C'est intéressant quoi. J'avais envie de vous embêter. Hein. Ils n'ont pas les trois vis pour acheter la deuxième Dina. Ils sont dégoûtés. Ah, je comprends. Aïe, je pense que là, deux Dina, il plie le game, hein, clairement. Voilà. Point d'exclamation final, hein, comme ça a été fait dans le chat, FINALE. Si vous voulez participer au giveaway, vous pouvez remporter deux clés du jeu pour jouer avec votre ami, vos amis. Voilà. C'est ça. Faites-vous plaisir et ça recharge la dynamite instantanément. Ça ne meurt pas avec la dynamite. Voilà, ça fait le challenge de poser les 12 rails. Devant la loco, même si c'était écrit en chinois. Voilà. On a compris que c'était ça. On a compris que c'était ça. Et ça va produire des rails en boucle. Hop là, vous voyez là, la vitesse de production de la machine. C'est-à-dire c'est que... instantané, quoi. Il sort les rails, regardez quand il va prendre, paf, ça construit instantanément. Parce que son wagon de ressources est plein. Il ramène la pioche à mi-parcours pour que son pote ramène la pioche également devant. Même si ça ouvre à la dynamite à un moment donné... On peut misplay en... On n'est jamais à l'abri. S'il nous manque... Si on n'a pas deux Dina, en fait. Il a l'air facile, ce jeu, hein, Sourak. Hein. C'est vrai que, voilà. Franchement, quand on regarde comme ça, easy peasy. Hein. FMO qui nous dit « Allez, l'année prochaine, je joue au stick arcade !» Chiche. Malheureusement, il y a 15 sticks. Du coup, c'est pas trop possible. Voilà. Donc là, il a utilisé, parce que, tu vois, ils se sont failli être coincés. Ouais. Et du coup, il a utilisé le respawn. Ah, j'ai pas vu. D'accord. Et voilà. Mais il est de nouveau coincé et il veut utiliser, en fait, comme il a la TNT en main, il veut pouvoir la placer ici. Pour essayer. Alors, ça te fait perdre quand même du temps, hein. Voilà. Ouais, mais ça reste quand même, ça reste quand même, effectivement, cheaté. Pour l'année prochaine, ça sera retiré. Hein. Clairement. Non, point douté. C'est abusé. Hein. C'est vraiment abusé. En fait, c'est le genre de truc
que... Que t'as pas conscience de ça quand t'as pas ce niveau de jeu, en fait. Mais c'est surtout que tu t'y penses pas, en fait. Tu te dis... C'est, pour moi, c'est de l'anti-jeu, genre, vraiment. C'est, oui, je comprends pas que les devs aient mis cette possibilité-là, parce que c'est... Voilà, si j'avais su, j'aurais engueulé Thomas hier. C'est pas du tout RP, non, c'est pas du tout L'an RP. L'an prochain, on gronde Thomas pour cette édition. Ah ouais, là... Et on lui dira, ça va pas du tout cette histoire, on n'est pas content. On a envie que vous enleviez le truc réapparaître. Mais bon, après, il faut penser en termes de dev. Peut-être qu'ils vont rendre des gens tristes et du coup, vendre moins de jeux. Et je pense aussi que cette option est là parce que bon là ils exploitent cette faille là, mais en fait je pense que ça a été fait parce que parfois il doit y avoir, par exemple, bon non le météore tu peux pas être bloqué parce que t'es dans l'espace et que tu voles, mais il y a peut-être des moments où tu peux être bloqué pour X raisons, physiquement, et genre t'as aucune chance, alors que là il leur suffit d'attendre, donc c'est peut-être parce qu'il y a des fois tu peux être bloqué... Est-ce qu'on peut lancer un sondage en même temps qu'on lance une prédiction ? Normalement, oui. Cryptage ou Warcrug, mettez-vous d'accord ? Est-ce que l'un de vous peut lancer un sondage dans le chat ? Parce que je vois Grishka qui dit « Après, on l'utilise aussi, égalité pour tout le monde. » Et Mok qui dit « C'est de la connaissance du jeu. » Grishka qui dit « Sibou, si on peut aussi dire à Thomas de rendre le robot moins con et considéré de passer au travers le wagon fantôme, ah là là, vraiment ah, !» Le passif sur le le robot, là... Avec le lag, ah, je c'est suis... une IA, les gars hein. Avec le lag, je suis déjà passé à travers un mur, ça permet de débug aussi. Voilà, ah ouais. Je pense que cette option, elle a été créée pour ça. D'accord. Et c'est pour ça que le système de réapparaître, là, avec l'outil plus proche, etc., yes, c'est de l'exploit de cette option-là, qui, initialement, est là pour des bugs. C'est souvent comme ça, hein, de toute façon. Alors, la question, c'est pour ou contre l'option réapparaître sur la prochaine Unreal Night. Voilà. Pour ou contre. Voilà. Pour la réponse, contre le système de réapparition. La réponse D. je trouve que ça creuserait encore plus les écarts, nous dit PY. Je pense que oui, c'est... Oui, parce que les novices vont pas lui... Enfin, les novices, entre gros guillemets, hein, parce que... novice, tout le monde l'est avec comparé à une team pareille. Mais ça, effectivement, c'est, les novices n'utilisent pas forcément cette technique de manière aussi instantanée que eux l'utilisent. Mademoiselle Nico qui dit « Je pense que c'est une vision du jeu. Moi, je suis team assez RP, mais je comprends que ce soit une commande qui existe et que certains s'en servent. C'est aussi bête de pas utiliser le jeu à 100% puisque ça existe, même si je ne le ferais pas », me dit Mademoiselle Nico. Moi, je suis plutôt de cette team-là. Voilà. Après, en fait, on pour pourra moi, faire un sondage. L'option n'a pas été créée dans cette optique-là. Du coup, c'est pour ça que c'est pas de l'exploit de bug, parce que c'est pas un bug. Ouais. Elle sert à ça. Mais elle n'a pas été créée pour ça. Et c'est ça qui me chagrine. En plus du RP qui, effectivement, n'est pas respecté, mais en même temps, tu fais pas rouler un train sur des rails pas terminés, ce qui n'est pas RP non plus. Ouais. Regardez, il se met bien dans l'angle pour être sûr de ne pas dash dans son pote. Que son pote ne dash pas, parce que eux, vous essaierez de voir quand ils farment les ressources, ils utilisent le dash en permanence. Parce que vous savez peut-être que quand vous creusez une ressource, vous mettez 3 coups pour la farmer. Et hop, regardez, vous avez l'impression qu'il se TP dès qu'il donne son 3e coup. Et en fait, ça, c'est parce qu'il dash. Paf, à chaque fois, celui qui ouvre le chemin, paf. Et bon, là, il l'a pas fait parce qu'il ramène du bois pour son pote. Mais il dash à chaque fois au 3e coup pour pouvoir entamer la ressource suivante le plus rapidement possible. Et ça aussi, ça fait partie du jeu. Alors, on a notre ami Pidancet qui demande s'il veut passer sur le live dire coucou, puisque les enjeux sont l'eau. Oui, bien sûr. Et le cas. Puis d'enseigne, il n'y a aucun problème pour que tu nous rejoignes. On va regarder par curiosité où en sont Dréa et Droudrou,
qui, pour le beau j'ai jeu... J'ai toujours le live sous les yeux, ils avancent. Et ils en sont à 79 mètres. C'est ça, j'ai l'impression qu'ils apprennent un peu de leur erreur. Je pense que là, ils maudissent la pluie, parce que même si elle les aide, elle ne nous a pas aidés tout à l'heure. Eh oui, totalement. Donc on est sur, je pense, une maudition, mais je pense qu'on est sur un niveau de français équivalent de toute la soirée, donc c'est ok. Ah bah minuit 46, il y a un moment donné. Alors j'ai loupé des messages dans le chat, je vais remonter un petit peu parce que oui. Il y avait des messages importants. Il en savait vous rejoindre d'ici peu, je pense. Oui, il y avait Dits qui disait si tout le monde est au courant que ça existe, ça me semble ok. Moi j'ai appris ce soir, là pour le coup, c'est pas cette commande qui permet à la team 17 livres de gagner. On est totalement d'accord là-dessus. Dites, c'est clair. Oui, évidemment. C'est pas là, c'est pas la question de. C'est grâce à ça qu'il gagne pas du tout. Hein. Sourak nous dit. Ah, alors que Pidansa vient de nous rejoindre, si je ne me trompe pas. Je en lis. En fait, il est venu, il est reparti. D'accord. Parce que Cryptage a demandé à ce qu'il soit dans la salle d'attente. D'accord. Avant de venir. Sourak qui dit, j'aime pas par rapport à l'idée que je me fais du jeu, mais tant que c'est pas interdit, c'est ok de l'utiliser. Bah oui, c'est sûr. Getburn qui dit non, moi je dis faut pas accepter les aliens et c'est tout. Bim, hop là, voilà, au moins c'est fait, c'est dit. Et bonsoir Pidancet, comment vas-tu? Mais bonsoir. Oui, on oui, t'entend on très bien. Pidancet qui est l'un des deux casteurs de cette soirée sur la CSGTV et qui est aussi, corrige-moi si je me trompe, peut-être que les titres ne sont pas exactement les mêmes. En Suisse, mais tu es président de la SMGL? Alors, coordinateur. Ça, coordinateur. Ça, mais oui, c'est la même chose. En gros, c'est un projet qu'on a lancé avec des amis et que j'essaye de carry jusqu'au bout. Ouais. Au bout de la nuit, avec vous. Eh ben, c'est cool, c'est cool. Comment s'est passée cette soirée de votre côté? Est-ce que tu avais un truc à nous dire auprès de précis ou tu voulais juste venir faire un petit coup? Non, je voulais dire coucou à la communauté francophone. Et puis je voulais parler un peu français après le soir où je perds mon français à force de parler anglais. Oui, il y a des réflexes écrits anglais après. Et aussi, ouais, dire de façon évidente merci. Merci Cibou de nous avoir offert cette opportunité de travailler avec toi sur ce beau projet qui est trop bien. Et c'est vrai que là, la dernière demi-heure est un peu tranquille, évidemment. Oui. Vu que les résultats sont connus. Oui, mais là ça va être un peu compliqué. Mais ça reste du beau jeu, hein. Ouais. Ils jouent jusqu'au bout. Adrien et Drodro, oui, et voilà, ils sont là pour le beau jeu, clairement. On a lancé un sondage, sache, Pidancet, dans le chat, parce qu'on était en train de débattre avant sur l'outil réapparaître, que personnellement j'ai découvert, je ne savais pas que ça existait. Dans le jeu et j'ai demandé au chat s'ils étaient pour ou contre pour l'édition de l'année prochaine parce que personnellement je trouve que c'est pas RP déjà et que ça gâche un petit peu le plaisir des maps extrêmes ou comme ça ou pas que extrêmes d'ailleurs mais des moments où tu peux rester coincé et faire des erreurs de jeu et d'un coup avoir l'option de mourir intentionnellement. Je trouve ça pas terrible. Là, on a combien de votes au total dans le chat? On en a 23, hein, ce qui est une bonne proportion pour Twitch, hein, pour une moyenne de 89 viewers. Oui. Mais on a 57% qui sont contre et 43% qui sont pour. Est-ce que tu as un avis, toi? Est-ce que tu as découvert ou tu connaissais déjà Alors, ce play? Je connaissais pas ce play. Et en fait, j'ai pas entendu les résultats, enfin j'ai pas compris les résultats, du coup je vais pas être influencé. Moi je suis plutôt pour, parce qu'en fait, si la feature existe toujours, c'est que souvent on dit quand on fait du speedrun que ceci n'est pas un bug, c'est une feature. D'accord. Et que parfois, même dans les speedruns, les gens ils utilisent... parce que là en plus c'est une option du jeu, hein, clairement. Oui. S'ils voulaient la retirer du menu, ils auraient pu. Je pense qu'elle est pratique dans plein de scénarios. Que ce soit pour des débutants, que ce soit ou juste parce que peut-être il y a des scénarios où tu pop dans un endroit, tu sais, tu respawn dans un endroit. Par exemple, ah, là, oui. S'il y en a un qui meurt à cause de la dynamite et qui respawn dans un trou, je vois. Et ben après, il est bloqué jusqu'à la fin, quoi. Mm-mm. Donc, moi, je pense qu'elle a un sens, cette feature. Et après, si les joueurs ont réussi à comment l'optimiser, comment l'utiliser de façon la plus efficace possible, ben, grand bien leur fasse. Ça,
C'est aussi ça ce qui fait que le jeu est, que même si le jeu va rester stable, parce qu'il y, y aura peut-être, enfin, on verra hein, selon, selon ce que les devs décident, mais s'il n'y a plus beaucoup de mises à jour, eh ben, c'est parce que les joueurs découvrent des nouvelles astuces qu'ils peuvent révolutionner la méta du jeu, quoi. Donc voilà, sur le principe, si c'était quelque chose qu'une seule team pouvait utiliser ou que si elle l'utilisait, ça désavantageait la team adverse, là peut-être je serais contre, mais là sur le principe, je suis plutôt pour. Et du coup, j'ai pas pu influencer le sondage avec ma réponse. Du coup, c'était déjà fini. C'était quoi la réponse du sondage? La réponse du sondage, c'était plus contre que pour, mais ça se joue à 3 voix sur 23 personnes. Hein, donc, ouais. Voilà. Donc, du coup, 2 voix vu que j'ai pas participé au sondage. C'est ça. Et Dowo dans le chat. Donc, au final, il y a toujours 3 dégâts. Dowo. Moi, j'aime pas l'idée. En fait, c'est pas que. Enfin. C'est en soi, ton explication, elle est très. Je suis très OK avec ça. Mais pour moi, comme elle a été créée pour justement contrer des bugs, genre de réapparition, de coinçage, etc. Bon, ils l'exploitent et tant mieux, tant que c'est autorisé, effectivement, j'ai aucun problème avec ça. Mais pour l'édition de l'année prochaine, personnellement, bon, je suis pas participante, mais je préférais que ça soit retiré parce que pour moi, ça correspond pas à l'esprit du jeu. Ça n'a pas été créé pour ça, même si en soi, ils font ce qu'ils veulent et ça les regarde. Pour moi, ça n'a pas été créé pour ça et j'ai du mal à apprécier, disons. Voilà. Mmh. C'est ça qui me chagrine. Après, c'est des choix que vous êtes tout à fait à même de faire en tant qu'organisateur, hein, tout comme les challenges et tout ça, c'est tout à fait dans votre bon droit de décider. On verra. On a le temps d'en parler, hein, ce sera pas demain, hein, on va prendre le temps d'organiser la 3 et sous quelles conditions. Je lirai le chat après en détail, mais sache puis dansais que Dowo qui était admin, merci d'ailleurs pour son travail. Tous les admins, voilà, merci à tous ouais, les admins hein, qui est d'accord avec toi au niveau de la réponse. Financé. Écoute, tu m'as remercié, mais je dois vous remercier aussi hein, la SMGL et toute la team. Pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'ils ont loupé l'info hier, même si j'en ai déjà un petit peu parlé. Puis Dansé qui est là déjà, non seulement il a remplacé en dernière minute Ron, qui était le caster qui était prévu à la base, mais qui a eu un cas de force majeure et qui ne pouvait pas faire le cast, donc Pidancé a sauté dans un train IRL, a fait 2 heures de train pour rejoindre un endroit où il y avait la fibre et un micro qui fonctionne correctement, donc voilà, il s'est exilé pour le week-end uniquement pour pouvoir vous caster et caster aux Anglais cette Unreal Night, et puis en background avant toute la communication avec les devs, les négociations des clés de jeu que vous pouvez d'ailleurs toujours gagner chez nous, ce qu'on n'a pas encore fait, le tirage au sort, point d'exclamation FINALE final pour le jeu et remporter 2 clés. Donc bah merci à toi pour ce boulot là, merci à Natia pour les trades, enfin voilà, et puis aussi au recrutement hein, des admins qui nous ont quand même filé un beaucoup de mains. Voilà, merci beaucoup. Non, c'est ça de gagner SVP. Ah, ouais. Ah oui, alors non. Est-ce que tu te souviens, Pidancé, que l'année dernière, Sencha avait participé sur mon chat et avait gagné aussi le giveaway de la clé du jeu? Bah, tu vas pouvoir faire une collection des clés, quoi. J'ai une belle collection. Ouvrir une serrurerie de... Non, je pense que tous mes amis vont jouer au jeu maintenant. Ils vont pas plus avoir le choix. Ils n'ont plus de prétexte. J'ai suffisamment de clés pour tout le monde, donc c'est bon. Équipé. Elle va pouvoir hurler sur tous ses amis sans exception, ouais. Hein, comme ce qui est prévu à la base dans le jeu. Exactement. Clairement. C'est honteux. C'est honteux. Bon. Donc, et merci. Ouais, puis, oui. Puis comme je l'ai dit sur le chat anglais, mais vous avez pas pu l'entendre. Là, on fait tous des événements à distance à cause du Covid, mais moi, j'adorerais pouvoir vous inviter un jour pour un tournoi en présentiel sur Unreal Night, Unreal du coup pas Night, à Crans-Montana, et on mange de la fondue, oh, et tout, oui. Et on joue à des jeux vidéo, ce serait trop bien. Oh là là. Donc, j'ai eu l'image d'une fondue en tête et ma vie a changé. T'as dit Crans-Montana et tu m'as fait rêver d'un coup d'un seul, quoi. Parce que et pour ceux qui ne le savent pas sur le chat, mon métier, celui qui me paye, c'est pas d'organiser des Unreal Night, même si j'y prends un plaisir immense et c'est ça pour moi ma paye, c'est de vous voir vous amuser. Mais mon métier, c'est d'être voix off publicitaire
Et je suis la voix d'une radio, d'une grosse radio, je crois, en Suisse, et télé, qui s'appelle Rouge FM et Rouge TV. Et donc, régulièrement, hein, j'enregistre des publicités pour Cran Montana. Et voilà, parce qu'ils font également gagner des séjours là-bas. Et donc, Cran Montana, vous ne connaissez peut-être pas, mais moi, ça me fait rêver, je le dis direct. Eh ben écoute, moi perso, ce sera avec plaisir, hein, tu le sais déjà. Puis non, c'est très cool et j'espère surtout que la situation va se débloquer et que si elle se débloque pas, eh bien vous pourrez organiser des tournois en ligne, voilà, comme la Unreal Night et que peut-être cette édition a été bénéfique, peut-être pour les admins qui faisaient partie de vos équipes et qui nous ont rejoints mais qui n'ont pas l'habitude. Alors que ça vient de nous lancer 1000 bits dans le chat, vous avez entendu le son de la dynamite. J'étais en train de me dire, ça a pas pété Ça a pas pourtant. pété, Attends, je comprends pas. je suis quand même hein, les aliens qui sont Ah toujours bon, là, on les impressionnant. regarde hein, dérouler, il reste encore 7 minutes sur leur game. Donc Bah. voilà, qu'en est-il? Est-ce que vous avez des choses de prévues avec l'asso prochainement? Alors, pour tout avouer, ça fait un petit moment qu'on a envie de lancer un championnat suisse sur le jeu. Donc ouvert que aux Suisses, désolé. Tout comme on a fait sur d'autres jeux suisses déjà, on a fait d'autres championnats suisses. Mais vu le taux de participation d'équipes suisses, je pense qu'on n'a pas forcément la masse critique Eh nécessaire oui. en ce moment en Suisse pour lancer un championnat. Donc on va voir comment on promeut le jeu parmi la commu suisse, la commu e-sport. Je suis un peu triste parce qu'on a des Lausannois qui ont un world record sur le jeu et qui sont ultra à fond sur le jeu et Ah. ils se sont pas inscrits à la Unreal Night, je pense, parce que peut-être tout simplement ils n'étaient pas disponibles. Hein, les gens ont une vie à côté de Unreal. On a quelques très bonnes équipes et voilà, nous, il va falloir qu'on réfléchisse de notre côté à comment on fait du contenu. Il se peut aussi que, vu que notre but c'est de faire connaître les jeux suisses, alors c'est vrai que jusqu'à maintenant c'est beaucoup focalisé sur faire des événements en Suisse, il se peut qu'on se tourne un peu plus vers le côté Twitcher, YouTuber, influenceur pour faire connaître les jeux suisses. Vous nous avez bien motivés dans cette voie-là, on va dire. On remarque que l'impact que ça a est assez énorme. Et donc voilà, peut-être qu'on va proposer des choses. Ou peut-être qu'on va juste mettre toutes nos ressources pour la Unreal Night 3 et Et faire une on édition de verra. malade avec Voilà. 15 000 euros de cash prize, ne rêvez On verra. pas. On verra. On n'a pas encore décidé et de toute façon, ce sera après le débriefing Oui, oui, de oui. cet événement Il n'y a pas mal qu'on de choses prendra les à décisions pour le faire. améliorer sur l'événement parce que tout se passe bien hein, globalement, mais c'est nouveau pour tout le monde. C'est nouveau pour nous. Hein. Cette année, c'est un peu comme si on organisait pour la première fois l'événement parce que gérer 64 teams, gérer autant d'admins qu'il en faut, gérer les teams qui se sont inscrites et qui ne Oui, parlent pas la langue, enfin, c'est c'est ça. vraiment. L'international, c'est dur à gérer quand C'est pour ça qu'on que ne dans ce remerciera jeu, jamais ça a été, assez les ouais, admins. c'est impressionnant. Hein. Franchement, comment dire, l'usine derrière Danwin, moi, m'impressionne et pour moi, c'est tout le Bon mérite bah, leur revient, quoi. on va peut-être te laisser le rejoindre côté, Smurf, vu qu'il reste plus que ouais. 4 minutes de jeu, mais tu voulais dire quelque chose. Non, juste sur la petite remarque sur le côté multilingue, on est vraiment habitué en Suisse à tout faire en plusieurs langues. Oui, c'est vrai. C'est vrai que. Mais c'est du travail. Oui, ça Et reste du travail. gros remède. La moitié des bénévoles, non pas la moitié, mais dans toutes les associations qui font des trucs en Suisse, on cherche tout le temps des bénévoles pour la traduction. Et Natia est une des grandes fidèles au poste. Donc, merci à elle. Et donc, effectivement, il reste plus que 3 minutes et je vais essayer d'être présent sur le live pour la fin. Donc, merci à vous et puis à la Merci prochaine. d'être passé. Merci Pidancé, à plus tard. Et on vient de vous mettre le lien de la SMGL si jamais vous habitez en Suisse ou peut-être dans les Alpes et que vous voulez rejoindre les teams de bénévoles de la SMGL, n'hésitez pas. Est-ce que la dynamite peut faire exploser ton train? Pas du tout. Non, la dynamite peut te faire exploser toi, peut faire exploser les ressources et les animaux.
Mais c'est tout. Les Alors, brigands, les également. brigands. Sur ces 2 minutes qui restent, eh bien, Andrea et Droudrou ont fait mieux sur leur deuxième run. Hein, comme quoi, le training, ça paye. C'est pas pour rien qu'ils ont fait le meilleur score sur la site des qualifs. J'ai loupé des messages tout à l'heure quand on parlait du jeu. Du coup, je vais les lire. Oui, je t'en prie. Mademoiselle Echo qui dit après, ce qui est bien, c'est qu'on peut créer des rounds où c'est autorisé, d'autres où ça ne l'est pas. J'ai répondu contre, mais bien utilisé, ça peut être aussi cool pour la Unreal Night. Oui. Et ça, c'est youpi. Je crois que Warcrug nous avait dit j'ai voté contre, mais c'est pour faire la balance. Donc, dans les contres, il y avait Warcrug qui n'est pas joueur du jeu. C'est clairement contre à l'unanimité avec un kappa, nous a dit cryptage, 10 à 13, c'est serré. Effectivement, c'est serré, mais j'avoue plutôt contre, nous dit Grishkanov. FMO lui est d'accord avec Pidancer. Oh là là, il y a scission dans la team FMO Grishka. Il y a scission. En soi, c'est vrai que ce qu'a dit Pidancer est très vrai. C'est une feat du jeu, c'est une feature du jeu. Et les joueurs ont su l'adapter à leur avantage. Et c'est très bien parce que ça fait évoluer le jeu, ce genre de... C'est grâce aux joueurs que les jeux évoluent aussi. Et sur ça, il a effectivement 100% raison. Et on voit la diff, de toute façon. Après, c'est pas ça qui a fait qu'ils ont gagné. C'est juste qu'ils sont trop forts. Ils sont impressionnants. On leur aurait interdit. C'est quand même pas ça qui aurait fait la différence. Ils auraient peut-être été plus vigilants à ouvrir les deux chemins pour être sûrs de pouvoir passer. Mm. Mais concrètement, ça aurait certainement pas changé la donne. Non. Voilà. Comme dit Cryptage, tu vois le move là, ils s'en foutent d'avoir un passage bloqué, clairement. Voilà. Et c'est voilà. Malheureusement, ça fait partie aussi du jeu. Pour moi, c'est un peu comme le widescreen finalement. Tu vois. Oh, il tourne en rond. Voilà, il a fait comme le robot quand on lui fait un petit cœur. Il a tourné en rond dans tous les sens. Ah oui, parce qu'ils ont c'est fini. C'est Drea qui a tourné en rond. Drea, elle a fait comme le robot. On lui a envoyé un cœur et elle a fait le rond. Donc voilà, la team Drea Drodrou, la team Dédé qui a battu son PB sur cette seed en deux fois une demi-heure. Un premier crash à 30 minutes et le deuxième à 198 mètres. Et là, le deuxième, il va être à 217, 18, 19, 20, 220 mètres, je crois, si je calcule bien. Non, un petit peu plus. Et tandis que les aliens ont fait... j'allais dire 600 mètres, mais c'est plus. c'est plus que 600 mètres, incroyable. Voilà, il y avait pas de match. Hein. En vrai, c'est vrai que tu vois, on voit la deuxième. Ils ont fait quand même un nettement meilleur score que la fois d'avant. Et je pense que un Droudrou avec l'entièreté de ses doigts aurait déjà pu un peu plus. Changer la donne, clairement. Que ça soit un peu plus serré. Voilà. Malheureusement, la vie est faite de surprises. Oui. Voilà. Et c'est pas dramatique. Et surtout qu'ils se sont vraiment super bien débrouillés. Ils ont très bien joué. Ils ont même joué de beaux jeux au point de recommencer alors qu'ils n'avaient plus que 30 minutes en se disant de toute façon, on essaye, on verra bien ce que ça donne. Et ils ont eu raison et c'est très chouette. Ils sont trop forts. Tout le monde est trop fort. Et voilà, 606 mètres atteints pour la team des 17 Leaves, 17 Leaves. C'est un gros GG et leur run qui se déroule sous nos yeux ébahis. Un gros bisou à mon ancienne mate qui reste trop forte et Droudrou aussi, nous dit Samaël dans le chat. Record hein, de la semaine sur cette seed, évidemment. Qui était gardée secrète jusqu'à la fin. Drea et Droudrou, leur train finit de se crasher également à 222 ouais. mètres. 222 mètres. Ouais. C'était incroyable. C'est vrai que cette édition, elle a été... En fait, je ne sais pas comment expliquer. C'était très étrange parce que j'ai eu l'impression que c'est passé tellement plus vite alors qu'en fait, il y a eu tellement plus de choses, tellement de... je sais pas, ça a été incroyable hein, cette édition. Je pense que faire les phases de qualif de poule dans un premier temps, puis les phases finales, ça a vraiment été une bonne solution pour cette édition-là et c'est trop chouette. Ouais, ça je pense que c'est un truc qu'on va garder parce que ça permet de voir plus de choses. Hein. On savait pas encore trop
où on allait. Clairement, parce que on savait pas si on allait remplir ces 64 équipes, voilà comment ça allait se passer, si on allait assez bien communiquer. Voilà, on a fait le donc attends, parce qu'il y a marqué Grishkanov dans le truc, je vois la fin de la prédiction. 98K à Grishkanov. Ouais. Je sais qui pas. Qui avait dû miser un sacré paquet de moula, ouais, pour avoir le droit à quasiment 100 000. C'est-à-dire que là, il a quasiment gagné une box Geekabrak. Le mec vient prédiction. De gagner une box Geekabrak sur prédiction. Hein. C'est fou. Non, c'est réparti. Ah oui, vont à Grishkanov et 12 autres personnes. Ah oui. Oh là là, ok. Je vais. Voilà. Il a misé. On va donc au baron piche. 30 000 et la cote était à 1,7. Ok, d'accord. Ok, très bien, très bien. Messieurs, dames, on va pas faire traîner cette fin pendant 1000 ans parce que non seulement on perd une heure cette nuit, mais en plus... Non, c'est demain. C'est demain soir, je crois. Mais on est samedi. C'est dans la c'est nuit... C'est pas la nuit de dimanche ? Ah non, c'est toujours la nuit du samedi au dimanche, très cher Sencha. Donc là, considère qu'il est déjà 2h du matin et non pas 1h du matin. Warcrux, s'il te plaît, effectivement, tu peux faire le tirage au sort du giveaway. Voilà. Ça va être si dur demain matin. C'était l'info que j'avais oubliée et qu'on m'a rappelé dans le chat. Voilà. Et... c'est Sourak, GG à toi. GG. Bravo Sourak, tu remportes le giveaway. Deux clés de jeu te seront envoyées par la team de modération située. Ce n'est ni Sencha ni Armando qui a gagné. Oui. Bravo, c'est incroyable. GG à toi Sourak. T'es toujours sur le Discord, hein, je crois, Sourak. Hein. On va t'envoyer un petit MP, sinon manifeste-toi là-bas, c'est quand même le plus simple. Bravo tout le monde, ce n'est pas Sencha qui win. Je suis très heureuse burn. De ne pas avoir gagné. Je suis très heureuse. Et Oracti qui nous dit la vitrine est prête, Sibou. Et oui, l'homme a travaillé. Il veut qu'on monte sa vitrine de il la finale. Et il a bien raison. Regardez, la vitrine, elle est ici. Elle est là, sous vos yeux éveillés. Pas de souci, parce que j'avais fermé la capture. Et donc, du coup, ça ne fonctionne plus. Hop là, hop la vitrine. Regardez, hop, sous vos yeux éveillés. La vitrine est à jour, ici, avec la team des vainqueurs, la team 17 Leaves qui est ici. Vous avez accès à tout ça, hein, avec les onglets en bas, hein, la finale, comment ça s'est passé. C'est vrai qu'on n'a pas regardé ce tableau-là, hein. on l'avait presque oublié, hein, mais il y a eu donc 3-1 voilà, pour la team. Ils ont mis un petit point ici, 3-0 ici. Les questions 18 et 19, hein, voilà. Et puis le nombre total. Pourquoi total plus, pourquoi le plus 38 là? Bah pour les 38 mètres. Ah oui, c'est le bonus ici, excusez-moi. C'est le bonus du quiz. Je suis en train de me dire, c'est quoi c'est plus 38? Il n'y avait pas de bonus. Bah, si le quiz, si vous t'as déjà oublié ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, les 17 Leaves, GG à eux. Je vais leur mettre un GG dans le channel. On va pas les embêter parce qu'ils ne parlent pas bien l'anglais. Je vais faire un petit mot en anglais aussi parce que je vois... Nairish in the chat, GG to everyone that have been in the event. My English will be so bad at this time of the night, but thank you for being here and I hope you enjoy the event. Et ce sera tout pour ce soir en ce qui concerne mon anglais. Je voulais prendre le temps juste de remercier tout le monde, évidemment avec les événements qui se sont passés cet après-midi. Je n'ai pas eu le temps de préparer des remerciements, donc s'il te plaît, Sencha, si j'oublie des trucs, tu vas me servir d'aide-mémoire. Je voulais d'abord déjà te remercier, toi, d'avoir une nouvelle fois accepté de venir commenter avec moi. C'était très, très avec cool. Avec grand plaisir, tu le sais toujours. Oui. Voilà, c'est toujours un stress et j'ai un petit syndrome de l'imposteur à chaque fois que je participe à la Unreal Light parce que pourquoi j'ai l'impression mais de servir à rien, c'est dramatique alors que je fais de mon mieux, hein, mais j'ai bon, c'est normal. Vous savez, pour ceux qui ont un petit syndrome de l'imposteur, vous savez c'est dramatique, mais c'est pas grave parce que je profite toujours de l'instant présent et j'ai adoré mes deux soirées avec toi, c'était trop chouette et j'espère que on a réussi à animer comme les gens l'entendaient.
et qu'ils sont contents, et que les joueurs sont contents, et que les admins sont contents, j'espère que tout le monde est content. Oui. Voilà, c'est tout ce que je souhaite en fait, que les gens soient contents. Et voilà, n'hésitez pas à suivre le Twitter Unreal Night parce qu'il va rester ouvert. Et évidemment, on va pas vous spammer tout au long de l'année, mais on vous donnera des infos dès qu'on en aura. Peut-être qu'on publiera des petits gifs. Voilà, n'hésitez pas. Le Discord reste également ouvert. Vous allez tous avoir, pour les participants, le grade de cheminot retraité où vous pourrez toujours vous retrouver pour faire des games. Donc, n'hésitez pas à vous retrouver pour vous entraîner pour l'édition de l'année prochaine sur le mode versus. Par exemple, on remercie énormément les admins qui nous ont qui ont fait le taf. En fait, voilà, ils ont fait un taf incroyable parce que sans eux, il n'y a pas d'événement, en fait, tout simplement. Hein, voilà, je n'ai pas l'intégralité des noms sous les yeux, mais je vais les trouver tout de suite, la liste des admins, en ne citant pas évidemment les gens qui nous ont lâchés au dernier moment. Je risque de faire des impairs sur aujourd'hui parce que on m'a dit que quelqu'un nous avait lâché ce soir. Donc d'abord, on fait dans l'ordre. Damien, Nyx, Pechmelba, Cédric, Chanty, Simku, Bait, Overdriver, Dowo, Swisside, Faust, Sparks, Dadé, Talak et Etona. Merci beaucoup, j'en ai sûrement oublié, il y a Rania qui nous a rejoint et Shin Castle je crois également en backer. C'est impressionnant le nombre de personnes qui nous ont aidés, qui ont fait ça, faire en sorte que ça tourne derrière, que les sites soient lancés, partagés, les règles comprises, enfin c'est... Voilà, merci à tous, vous êtes magnifiques. Merci beaucoup, un merci spécial à Cryptage qui a confectionné le Discord, qui s'est occupé de gérer toute la partie technique, d'aller aider les teams qui n'avaient jamais streamé de leur vie à monter tout ça. Merci beaucoup Drea pour ton raid et bienvenue à vous. Voilà, et bien plus encore pour son amitié et ses précieux conseils aussi sur l'organisation de ce tournoi. Cryptage, merci beaucoup. Oracti, sans qui, c'est dans le désordre, hein, mais c'est pas grave, Oracti, sans qui nous n'aurions pas eu des magnifiques tableaux comme vous venez de le voir. Nous n'aurions pas eu un quiz aussi magnifique et qui a été mon compère pour sélectionner les seeds qui vous ont fait souffrir pendant ces deux jours. Merci énormément, Oracti, pour ton travail. Merci beaucoup. On n'oublie pas l'équipe de modération dans le chat qui était là pour vous servir, évidemment. Blade, Gateburn Blade, Gateburn et Warkrug. La fin de soirée est dure. Ouais, c'est difficile. Hein. C'est compliqué. Gradiela qui a fait le lien entre les deux castes pour qu'on ait les infos et l'autre. Non, Warkrug. et d'ailleurs, Warkrug vous a concocté un best-of que j'ai pas encore eu le temps de regarder, mais allez vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, parce que déjà vous aurez les rediffs de cette soirée. Je vais essayer de découper tout ça en morceaux comme l'année dernière, pour pas vous mettre une rediff de 6 heures. Voilà. Merci beaucoup à Gradiela pour donc son lien avec les castes. Merci beaucoup à Natia qui a tout traduit en anglais, tous les documents, et qui aussi s'est occupée de faire la traduction sur les teams voilà, tout au long de la compétition. Et Mademoiselle Neko, qui je l'espère vous a régalé, et je le sais déjà parce que j'ai vu qu'elle a fait un travail incroyable déjà sur la soirée d'hier sur le Twitter. Merci beaucoup. J'espère que j'ai oublié personne. Merci à mon amour d'être un mec incroyable et qui a la foi déjà de me supporter pendant un mois où je bosse jusqu'à minuit tous les soirs. Je me lève tôt, je suis fatiguée, mais j'essaie de garder ma bonne humeur, et qui surtout a quand même participé ce soir aux côtés de Drea. Malgré le petit incident qui s'est passé cet après-midi. Merci beaucoup. Je vais chialer si ça continue. Je lis vos messages. Voilà. Quand elle s'investit dans un projet, elle le fait à fond pour que tout soit parfait et se déroule au mieux. Ça donne des super projets. C'est agréable de travailler avec. Merci beaucoup, Cryptage, pour ton message. J'ai pas fini. On va vous embêter encore un moment sur Twitter. Bah, ça, c'est cool. On va voir des clips. On va voir des moments. N'hésitez pas à faire des threads. Je sais que hier, la team avec Clashtastrophe a fait un thread
Merci beaucoup hein, pour vos messages, les admins. Au secours. Voilà. Et du coup, n'hésitez pas à faire des threads si vous voulez raconter comment vous avez vécu ça de l'intérieur. Parce que, c'est trop cool de savoir comment vous avez participé en tant que joueur et comment vous avez vécu l'événement. Très important pour les participants. On va, peut-être pas dans la semaine, mais dans les semaines qui arrivent, on va sûrement vous faire un questionnaire de. En gros, une espèce d'enquête de satisfaction pour vous poser des questions pour que nous, on s'améliore sur l'organisation de l'édition 3. Je peux vous le dire direct, on va pas doubler le nombre d'équipes. Hein. On va pas passer à 128 l'année prochaine. Peut-être qu'on redescendra à 32, on ne sait pas. Mais en tout cas, kiffez Unrailed. Kiffez Unrailed, kiffez le jeu vidéo et faites des choses qui vous plaisent. Dans la vie, et n'écoutez pas les autres si ils vous disent vas-y go et on te mettra pas en page d'accueil. ouais. Voilà, parce que on attend de voir s'il y a des meilleures choses que ton tournoi pour te mettre en page d'accueil. Oui. Voilà, 128 équipes, les finales au Stade de France devant 80K. Non mais. Bien sûr. Non, cryptage, on va pas te faire ça. Hein, t'inquiète pas, le Discord c'est bon à 64, c'était déjà invivable pour tout le monde et la team d'admin, mais. Mais voilà, merci beaucoup à tous pour vos messages. Merci Dith d'avoir regardé jusqu'à ce soir. Ça me touche beaucoup que les copains soient là. Tous les partenaires également de l'événement qui ont été là. Oui. Plus ou moins proches pour aider. Plus ou moins proches pour participer au lot gagné. Merci à tous. Voilà, c'est incroyable ce que vous proposez à chaque fois. C'est ça. Vous êtes d'une générosité et d'une aide qui est vitale pour l'événement. Voilà, ça, sans vous, l'événement n'existe pas non plus. Et évidemment, parce que là, tu ne peux pas le dire, parce que tu ne vas pas te remercier toi-même, mais merci à toi pour tout ce que tu fais au quotidien pour cet événement que tu aimes de tout ton cœur, parce que tu aimes ce jeu oui, de tout ton cœur. Je l'aime trop. Et tu fais de cet événement un truc extraordinaire parce que tu as envie que ça marche, parce que. Voilà, c'est ton aura de positivité suffit, hein. Fait que ça marche. Non, non. Je n'ai rien. Arrêtez. Calmez-vous. Hein. Je sais qui on n'a pas remercié. Déjà, on n'a pas remercié Guy Cabrac en les nommant précisément. Oui. N'hésitez pas à aller. Hop, et la commande qui pop dans le chat juste à ce moment-là, c'est insane. Le bot nous entend. Voilà, le bot nous a entendu. Guy Cabrac, hein, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Vous avez toujours 10% de réduction, même sans le code Unrenet. Avec le code Cibou, hein, je vous dis ça, je dis rien. Voilà. Et en fait, on a oublié de remercier quelqu'un aussi. Et pour qui on fait l'événement, quelqu'un, c'est vous, en fait, derrière votre écran. Parce que c'est encore plus kiffant. Plus il y a de monde qui prend du plaisir spectate, parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent la Unreal Night et qui ne jouent pas forcément au jeu, mais c'est pour moi un jeu qui est tellement prenant. Que même si on n'y joue pas forcément, et ben ça donne envie de se dire ah ils vont y arriver, ils vont pas y arriver, au secours. Voilà. C'est pour ça que je pense que c'est un jeu qui est vraiment trop cool à faire dans une compétition. Et voilà, et comme ça n'existait pas, et ben on l'a fait et on y arrive bien grâce à vous et pour vous. C'est très addictif, ouais. NJ qui a découvert ce jeu juste pour le tournoi et qui s'est inscrite. Direct. Je suis pas derrière l'écran, je suis devant l'écran, je comprends pas. Mais je comprends pas. Nasty. Alors, ça, je ne lis pas. Je lirai plus tard, d'accord ? Il y a des cœurs, il y a du tag, voilà. Ça y est. On peut aussi remercier toutes les équipes de cette inscrite d'avoir participé, été attentives et à l'écoute de leur admin également. Merci d'avoir été là. Et voilà, parce que grâce à vous aussi, l'event se fait, parce que sans participants, c'est compliqué. Et oui, oui, sans oui. C'est délicat. Clairement, voilà. Non, pas tout, ouais, mais on parle pas des gens méchants, on parle que des gens gentils. Voilà, on parle que des gens gentils. Je vous remercie, on va pas faire durer les au revoir plus longtemps, ça fait déjà presque 20 minutes qu'on est dessus, et Sencha doit aller se coucher. Ouais, bah j'ai fini de... Voilà, c'est tant pis, voilà. J'ai fait une croix sur ma nuit, écoute. De toute façon, ouais, je suis insomniaque à la base, alors bon, je dormirai dans la voiture. Non, mais le pire, c'est qu'il y a de grandes chances que je m'endorme à 6h du mat' alors que je me lève à 8. Ça va être grandiose. Ah, ma pauvre. Grandiose. Courage. Ouais, c'est pas grave, ça fait partie du truc, hein. Plein de love sur vous, les amis.
On se quitte avec évidemment les crédits et cette superbe musique qui est, parce que je sais que Gaët l'a dit hier trop bien, c'est la musique de la fin du jeu des crédits, donc profitez-en, elle est vraiment trop cool. Et on va partir en raid chez quelqu'un, on verra ça sur cet écran de fin. Sencha, des gros bisous, bisous à vous tous. Et je sais pas quand est le prochain live, allez sur les réseaux sociaux, dormez bien, bisous, salut. J'ai oublié le rendez-vous à 19h30 demain. Hein. Vous voulez qu'on fasse un live débrief demain à 19h30? On peut, hein. Y'a pas de problème. Hein. Ne me chauffez pas. Calmez-vous, le chat. Hein.